Bien, alors, cher personnage, cher viewer, je vais de suite mute le son pour vous expliquer quelques petites choses. Voilà, je mute. Voilà, j'ai, avant de commencer ce final de Golden Sun 2, quelques petites choses à vous dire. Notamment que la précédente partie que vous avez vue, le dernier épisode que j'ai mis en ligne, je ne sais pas comment je vais m'organiser, date de presque 7-8 mois. Donc ça remonte quasiment à juin-juillet 2015. Et ce qui s'est passé, c'est que hors caméra, je me suis entraîné contre les monstres de cette zone pour maxer les levels de mes personnages. Et aussi, j'ai fait quelques enregistrements que j'ai effacés par la suite parce que je me faisais défoncer par le boss final. Le problème étant que ça fait maintenant plusieurs mois que je farm à mort, j'ai dû maxer une quinzaine de niveaux en presque 5 heures de jeu, et que je n'arrive toujours pas à battre ce boss en legit. Donc du coup, cet épisode va être l'épisode de la honte, mais je l'assume. Je l'assume entièrement, je vais baisser dans votre estime, mais j'assume ce que je fais. Et puis c'est pour mon propre bien. Je vais vous montrer de suite pourquoi. J'ai actuellement, alors voilà, j'ai actuellement une liste de code breaker. Alors ça, je vais vous expliquer vite fait. Là, ce sont les deux codes obligatoires pour que les quatre autres codes, celui-là n'existe pas d'ailleurs. Je vais le remove. Voilà. Donc du coup, les quatre codes que vous voyez ici sont faits exprès pour que mes persos restent toujours à 99 de vie normalement. Donc du coup, le jeu va être fini sûr, mais j'aurais triché complètement, totalement. C'est tout. J'en suis désolé. Je m'excuse vraiment platement. Si je peux, je me mets à genoux. Mais mentalement, pour moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour finir le jeu. Peut-être que si un jour je fais le 3 que j'ai déjà fait en vrai sur DS, je l'ai fini legit, ça c'est sûr. Donc le 3 je le finirai vraiment. Mais ça dépendra de si j'ai envie de le faire ou pas. Voilà, sur ce, bah vous pouvez mettre la masse de pouces rouges si vous voulez. Mais alors je vous le montre, voilà, je suis à 99 de vie, comme un connard. Normalement les codes que j'ai mis sont faits pour que je reste toujours à 99 de vie. Et donc on va y aller. Téléporter, zone de fin. Je laisse quand même le dialogue. Mais vous pouvez d'ores et déjà mettre la masse de pouces rouges pour ma non-race. Ça doit être la première fois que j'utilise le cheat code pour un jeu. En même temps, je suis très très déçu de ce que je fais. Mais je l'assume.
Voilà. Donc, je vais raconter vite fait ce qui s'est passé durant mes essais. Le Dracozor, pour ceux qui connaissent bien le jeu, c'est le boss final. Alors, la première, ça se découpe en trois phases. Une première phase à environ 50 points de vie, et les deux autres phases à 4000. La première phase, je la passe tranquille. La deuxième phase, j'avais une chance sur 2, une chance sur 3 de la passer. La dernière phase, c'était impossible que je la passe sans perdre tout le monde. Donc là, vu que je suis bien sûr de gagner, je vais faire mon gros connard. Eclipse, ouais, c'est ça. Et là, bah, attaque tout le monde. Donc ça va être le combat le plus rapide du monde. Je vais me faire détester par tous les fans de Golden Sun, mais je l'assume complètement, j'en suis désolé. Vraiment. En fait, la technique, c'était mettre des jeans pour booster mes stats. C'était défense, attaque et résistance. De manière à ce que lorsqu'il attaquait, voilà, avec des trucs comme ça. Ouais, normalement, je suis censé perdre des points de vie, mais le game breaker marche trop bien. Je pense que même si je tombe dans les valeurs négatives, je continuerai de vivre. Et encore, je suis gentil, j'ai pas trouvé de game code de game breaker pour que les jeans soient liés automatiquement sans temps de repos. Donc là, ce qui se passe, c'est un premier tour normal. Enfin, c'est une phase normale. C'est ce que je faisais quasiment tout le temps. Sauf peut-être qu'il y aurait dû déjà y avoir un mort à ce moment-là. Voilà, normalement, à ce moment-là, j'aurais fait un tour de soin avec Lina avec un soin de zone. Normalement là je boostais ma défense. Et je me soignais. Généralement c'était tout le temps ça. C'était soin à chaque tour pour les premières phases. Mais normalement le boss devrait. Non pas maintenant. Voilà, donc là c'était la première phase. Première phase, 5000 points de vie. Donc là on active la deuxième phase. Deuxième phase où il va attaquer une fois de moins par tour, donc trois fois. Mais il y a une chance qui est quand même importante pour qu'il l'utilise. Alors je sais pas si on peut appeler ça un sort ou une technique. Je pense que c'est plus un sort. Pour qu'il utilise Ruine Cruelle. Et c'est ce sort qui m'a fait galérer. Parce que quand il le sortait une fois, au tour suivant, j'avais quasiment 90% de chance qu'il le ressorte. Et donc le décès de mon équipe.
Là normalement je devrais déjà être mort. Ou alors j'aurais un perso vivant. Voilà, et c'est surtout ce sort là, Protectorat, ça réduit des 90, quasiment 90% mes dégâts. Donc autant vous dire que ça plus Ring Cruel, ça demandait quasiment de la stratégie pour prédire quand est-ce qu'il a utilisé. Il perd 20 points, normalement il devrait perdre au moins 100-200. C'est-à-dire que là, s'il réutilise Protectorat, mon navigation, bah, je l'ai dans le fion. Et encore là, j'ai eu de la chance, il n'a pas utilisé Rune Cruel. Donc autant vous dire que bizarrement, la RNG là est très gentille. Si la RNG me fait un doigt et il n'utilise pas Rune Cruel, je l'ai dans le fion. Bon, anti. Ouais, ok, si tu veux. Explosif. Alors, un sort qui peut aussi être très chiant. Voilà, Rune Cruel. Ce sort, c'est quasiment 80% de points de vie en moins, avec une chance quasiment sûre d'avoir un mort. Voilà, vous allez voir les dégâts que ça fait. Pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu. Voilà, 300, 200, 150. 35. Pour l'instant, ça va. Si j'avais 0 buff de défense, il y aurait eu au moins... Bah déjà là, si j'avais gardé mes stats, il y aurait déjà 3-4 personnages, enfin tout le monde qui serait dans le... dans la vie, dans le... dans la vie en zone danger, et il y aura peut-être une personne qui serait décédée. Voilà. Ah bah voilà. Deuxième phase donc. Très rare que j'arrive à ce moment-là. C'est très très rare. Là, il attaque deux fois et Rune Cruel, je suis quasiment sûr de me le prendre. Donc là, il utilisait une fois Rune Cruel, ça veut dire que j'aurais peut-être une chance de le tuer. Donc là, il lui reste environ 4000 points de vie. Enfin, par contre, ce que j'ai même cherché sur YouTube, les gens qui font des strats pour battre ce boss. Voilà, Pierre normalement s'écroule, c'est-à-dire que là, il devrait être mort. Donc là, ça en aurait encore pu aller, j'aurais utilisé un jean ou une autre jouvence. Et là, comme on est dans, nous sommes dans un univers alternatif où j'ai aucune race, peut-être qu'un jour. Enfin non, c'est même pas sûr. Si un jour j'arrive alors à retrouver ma sauvegarde et à faire ce monstre en legit, je supprimerai la vidéo, celle-là, et puis je la mettrai par la bonne fin. Pour le moment, c'est mort. Donc là je peux réutiliser mon invocation. Je pense que si j'avais jamais eu Eclipse, j'en serais encore très très loin pour ce monstre. Cécilia s'écroule là. Cécilia décédait, ça aurait été fini. Pour une cruelle, donc c'est mort. Là déjà, je suis décédé. Voilà, là déjà, Pavelil est mort, Lina est morte. Et il restera juste deux personnages. Donc autant vous dire que voilà.
je pense que les gens qui ont fait Golden Sun 2 à l'époque ont dû vraiment chier pour ce boss. Ils comprennent ma douleur et peut-être ma non-race de faire ça en Game Genie. Si c'est le cas, bah merci. Mais j'en suis pas fier. J'en suis vraiment pas fier. Allez, voilà, là c'est bon, ça là c'est fini. Le jeu me dit, c'est mort. Le jeu me dit, va te faire foutre. Voilà, à partir de ce moment, Pierre c'est mort. Parce que Pierre n'a pas 400 points de vie de base. J'ai limite envie de le finir en normal juste à la main. Tellement je me sens faible. Voilà, et là Megiddo qui a une chance de faire. Voilà, là, Bulkhauser fini, boss fini en moins de un quart d'heure. Normalement, ça m'aurait pris au moins une bonne demi-heure. Donc regardez, il est mort, c'est bon. Jouer ça avec la fin de l'histoire et je me tais jusqu'au générique. J'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse, désolé, excuse-moi. Je l'allume comment? Ah d'accord, c'était ça, ok, oui. Je veux finir ce jeu qui m'a ennuyé pendant presque un an et demi. Parce que cette phase m'a vraiment ennuyé pendant un an et demi. Thank you.
Ça y est, après presque un an et demi, j'ai fini ce jeu. En trichant, je le redis, mais je l'ai fini. Donc du coup, je pense que actuellement, les gens qui regardent cette partie me détestent horriblement. J'avais même une scène post-générique avec, avec l'autre. Donc ouais, laissez se dérouler. Donc c'est des samples génériques comme ça. Donc même si j'ai triché, je referai le jeu legit cette fois. Enfin la fin je la referai legit. Et dès que ce sera fait, je supprimerai celle-là et je la remettrai. Ouais, c'est un magnifique magnifique image en mode 7. Même s'il y en a qui ont été intéressés, je vous ai, qui ont fini le jeu legit, bah dites-le moi dans les commentaires quelle était votre strat, que ça puisse m'aider. Comme ça, bah je le referai. Et pour ceux qui ont envie de, d'y jouer, bah faites-le moi savoir aussi. Il n'empêche que je recommande vraiment la série des Golden Sun et que je ne désespère pas de voir un quatrième opus sortir un jour. Je pense que si un jour ça devait sortir, ce serait soit sur la Wii U, soit sur la future console Nintendo, la NX, même si personne ne sait ce que ça va être. Mais si je pense, que j'ai pas d'objectivité actuellement, donc si je devais noter le jeu, ce sera un bon gros 18. Il y a quelques légers défauts, je pense non, je mettrai 18 parce que le boss de fin, non, ça se fait pas. Autant le boss final du premier était dur mais faisable, mais pas celui-là. Celui-là il est faisable je pense, mais si tu passes des heures de farming incroyables, juste pour maxer tes levels, tes PV, tes PP et tes stats. Donc pour moi c'est un 18. Si le boss avait été plus faisable, je l'aurais mis 19. Parce que un jeu à 20 sur 20, pour moi ça n'existe pas. Tout simplement. Donc là, finale de la, des scènes post-génériques.
Dans un sens, je regrette pas d'avoir triché pour voir cette fin. C'est une belle fin, je trouve. Fin? Et là, il se passe quoi? Sauvegarder votre aventure. Oh ouais! Parce que j'ai pas de race. Aucune. Ah, tiens, celle-là, voilà. Sauvegarde en cure. Voilà. Et le jeu reboot comme un connard. Bien, et eh ben je vais m'arrêter là parce que j'ai triché comme un connard. Je vous remercie cependant si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez m'insulter de tous les noms, mettre un gros pouce rouge, je vous l'autorise. J'espère que vous comprenez quand même ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Je vous remercie une nouvelle fois si on m'avait compris pour ce choix. Je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à la prochaine.